بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيكم مي شاف خير السور. لي روبا كونتيني كوم دابيتود. جو دون توجور دي نوفو فوتو. دونك سا سي بور لو فوندردي ترني، يعني اير اوني سامدي اوجوردي. الحمد لله اون مي لو لا صوص تو سا ا لا فان. سي بور سا فو فويي كو لو كوسكوس كوم سا بور ايفيتي كو سا دوفيان فخوا. Donc je remercie toutes personnes qui ont participé à cette et qui continuent de participer au don. Barakallahu fikoum tous, celui qui donne 1 euro, celui même qui partage des vidéos comme ça, qui vont encourager des personnes à donner, qu'Allah Azza wa Jalla les récompense, ou celui qui like ou celui qui fait les commentaires, ça aussi c'est important, parce que ça encourage d'une façon ou d'une autre ce projet. Donc, alhamdoulilah, ça a toujours permis à plusieurs familles, là on est dans les trentaines, de profiter de ce don d'une façon régulière depuis maintenant, mashallah, plusieurs mois. Et j'espère, inshallah, qu'on restera pour toujours, parce qu'il y aura toujours des pauvres. Et en même temps, alhamdoulilah, il y a d'autres projets à côté qui s'agrandit. Donc le projet de Ramadan est très important. Donc nous avons besoin de 9 000 euros pour vraiment terminer le mois de Ramadan. Donc on a déjà commencé. Là on a sur la caisse des dons, des sadaqas, on varie entre 2 000, pardon, de 3 000 jusqu'à 3 500. Donc je donnerai, inshallah, chaque mois les chiffres exacts, parce que il y a toujours des dons, il y a des petits dons des fois, il y a même 50 centimes, 1 euro. Et parfois il y a 150, 200, 300, 400. Donc, alhamdoulilah, tous ceux qui donnent, c'est important. Que ce soit petit ou grand, le plus important, c'est l'intention. Et c'est de gagner les hasanats. Celui qui donne quelque chose, il ne faut pas l'avoir petit, même une petite somme. Parce que le principal, c'est niya. Parfois, 1 euro est mieux que 1 000 euros ou 1 milliard d'euros. Pourquoi? Parce que l'intention, c'est pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut toujours renouveler niya. Et rien que le fait de penser à aider son prochain, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, barakallahu fikoum. Sinon, il y a le projet aussi de la mosquée, mashallah, qui s'agrandit. Donc, on est en train d'agrandir la taille et on va rester dans la simplicité possible. Le but, c'est pas d'embellir les murs, c'est le but, c'est d'embellir les cœurs des gens. Parce que c'est voilà, c'est le travail du professeur Salam. Il a travaillé sur les cœurs, sur la foi et sur l'éducation. Et donc j'espère, inchallah, ce petit projet qui pourrait, s'il marche bien, s'il continue, être un exemple pour beaucoup d'autres mosquées dans les campagnes là-bas, et peut-être, pourquoi pas, s'agrandir pour devenir un exemple réel du vrai mosquée, comme dans le temps du prophète, parce que le but de la mosquée, c'était le lieu de formation, c'était le lieu de formation des croyants. Et donc voilà, alhamdoulilah, ça fait vraiment plaisir. Il faut toujours agrandir Nia. Toujours agrandir niya, parce que al-a'malu bi-niyat, l'intention, les actes ne valent qu'avec les intentions. Et puis il y a parfois donc des situations où il y a une aide qui est proposée. Donc tout ce qui se passe, pour que je vous dise comment ça se passe, donc quand vous faites un virement, que ce soit sur PayPal ou bien sur virement, alors si vous faites sur PayPal, s'il vous plaît, vous pouvez faire le choix de choisir que entre famille, entre connaissances, un truc comme ça, pour qu'il n'y ait pas les frais. Mais sinon, s'il y a des frais, maadish, c'est pas grave. Sinon, le mieux, ce serait de faire les virements directement sur le compte. Barakallahu fikoum, jazakumullah khairan de votre confiance, inshallah, j'espère vraiment que jamais, jamais on veut de soi. Tu vois, alhamdoulilah, moi personnellement, je n'ai pas besoin de cet argent. Et au contraire, moi je suis comme participant, comme avec vous. Je le dis exprès pour, voilà, pour enlever chaque idée que peut venir de temps en temps. Pourquoi ces gens-là, ils font ça, etc. Nous, on veut juste, alhamdoulilah, ça c'est des actions que j'aime bien faire moi-même. Mais quand je suis en communauté, je sens que c'est un travail de communauté. Quand je suis tout seul, bah, ça reste un travail pour moi tout seul. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien toujours faire participer mes amis, vous, mes connaissances, pour que ça soit vraiment large.
Parce que si chacun pense qu'à lui et pour soi, voilà, ça restera des aides, mais ça restera très limité. Et Allah subhanahu yani, il est avec le groupe. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans plusieurs versets d'être en groupe, d'être ensemble, parce que l'amal, dans le travail où il y a du monde et il y a la bonne intention, ce travail, il s'agrandit et il y a la baraka, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakum Allah khair. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, shifa, celui qui donne, inshallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la guérison. Celui qui a quelqu'un qui est mort parmi sa famille, son père, sa mère, son frère ou son grand-père, sa grand-mère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne miséricorde à tous, tous les non-morts, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos dons et qu'ils soient un don fi sabilillah et une sadaqa jariya pour toujours. Surtout la mosquée, c'est une sadaqa jariya. Toute personne qui va être guidée, qui va prier, qui va. Ça va être une sadaqa jariya, inshallah. Surtout qu'il y a aussi de l'eau et du toilette. Donc il y a de l'eau qui va être bue par beaucoup de monde qui vont passer par là. Alhamdulillah, tout ça, il y a que le khir. J'espère, yani, seul que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour participer à l'akhir, qui vont vraiment participer à l'akhir. C'est un tawfiq min Allah, c'est pas un choix. C'est pas un choix que vous regardez cette vidéo maintenant, ou que vous entendez cet audio maintenant, mais c'est min Allah azza wa jal, afin de vous utiliser fil khir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne le mieux de ce que vous pouvez, de ce que vous voulez, parce que vous me faites confiance et j'espère jamais, jamais vous décevoir. Ya Rabbal Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.